And That's very nice to see you all. good to see you. She will make a focus on the building of Paris 2024 because now they are in a new, completely new building. They are set up in Seine-Saint-Denis. And I in this see. building, there is lots of social businesses and environmental solutions. It's really a showcase. So she will explain at the committee Okay. how I see. do they manage. It's very important because it's the first Olympic site in fight. In I fight? see. Okay. Yeah. It's our first Olympic site. We're going to do that with silver, actually. And then later we're going to speak about the Cayenne Impact, all the work you're going to be you are doing for us, all the great work. Okay. Exactly. And now Tony is here. Yes. Good. Hi. Hi, Tony. Hi. Hi, Professor. How are you? Hi. Hello. Pretty good. Good morning, Tony. Not as Cheyenne good as Padot one from would the city of Paris wish. is here also. Yeah. Maybe you can make a little, all of you, a little hello to the professor. Hello, hello. Hi. Hi, everybody. Good to see you Florence all. from the city of Paris. Hello, everyone. Hello, professor. Hi, hello, Hello. hello. Professeur Younous, may I introduce you, Monsieur le préfet Cadeau, which is Okay. maybe can make a sign. Bonjour Okay. à tous. Hi, hello. Good to see you. Pleasure to Has the meet same you. position as Jean Castex that you made you met before, and now Jean Castex is our Prime Minister, and the Préfet Cadeau is dealing the Olympic Games for the state of France. Wonderful. Thank you. Obviously, my future is not the same as Jean Castex. You imagine Who knows? Con No, congratulations, I know, congratulations. but I Welcome. don't wish anything similar. So we are waiting for my co. Oh yes, you're here, Marie Barzac. Maybe you can introduce the meeting, Marie. Un petit mot juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes, voilà, vous êtes le comité stratégique et que donc vous apparaissez sur l'écran, mais que les réseaux de l'ESS et un certain nombre d'acteurs qui travaillent avec nous sont en ligne de l'autre côté et assistent à cette réunion. Donc vous ne les voyez pas, mais l'ADI est là, l'AVIS, BPCE, la CRES Île-de-France, le groupe SOS, le laboratoire de l'ESS. L'ADEME, ils sont très nombreux, je ne vais pas tous les citer. L'idée, c'est que uniquement les membres du conseil stratégique apparaissent aujourd'hui à l'écran et puis peuvent du coup réagir dans la réunion. Les autres feront des commentaires en ligne qu'on vous transmettra. Marie, je te passe la parole. Merci Elisa. Bonjour à tous. Permettez-moi de parler en anglais ce matin pour cette très brève introduction pour que le professeur Younous puisse bien profiter du début de la réunion. So, dear professor, as you know, in April 2018, now, we signed an agreement in order to organize sustainable and inclusive games. And today, this is the occasion to tell you where we are so far. Because we are in a key moment today in Paris 2024. The preparation phase is over, and now we are operational to organize the games with those strong commitments about sustainability and inclusion. So you will have on the screen, I think this is a slide. Pour les Français, vous allez pouvoir suivre ce que je vais dire puisque tout est écrit en français dans la slide. C'est la slide d'après. Ou pas, alors si. So to organize those inclusive and sustainable games, we took five strong commitments. You have them on the screen.
But most of all, we choose indicators, and this is a key of our strategy, because we are not hoping to succeed in this objective. We are driving this strategy with those indicators, and all the people that are around the table today are working with these indicators in mind. This is really the driver we choose to have to drive this strategy. So the first indicator is about circular economy and the rate of employment, reuse, recycling, purchase products is our indicator. The second pillar is carbon and the protection of the planet. And the indicator is the carbon budget, of course. The third objective commitment is about social inclusion. And there, our indicator is the number of jobs allocated to people far away from employment. And we are working hard in this direction. The fourth pillar is inclusion for people with disability. And here, our indicator is contracts award to companies which are recruiting people with disabilities. And finally, our five commitments is about the creation of value in the territory of France and in Seine-Saint-Denis and Paris in particular. And here our indicator is SMEs and social businesses market share, of course. So as you can see, we are ready, we are operational, and now we have the opportunity today to tell you what we have done so far. Thank you very much. Thank you. Professor, we let you introduce this meeting. You really be with us during all this organization of the games, the tender, and now the organization with the construction of ESS 2024. Would you please introduce this meeting? Thank you. Thank you. Thank you very much. It's a very, very important event, a very important occasion. That's what I wanted to mention, first of all. And congratulate you, the whole team, who have been working very hard to achieve a dream that we made, committed ourselves to in 2018. And now we come to a stage where we become operational. I want to congratulate for all the preparations you have made. This is something very significant. Second point I want to make while I have the moment with you, 2022 is going to be a very, very important year for all the operational practices and so on in the context of the global situation. When we signed the agreement that we want to have it at the Social Business Olympic, world didn't have COVID-19 at that time. So we are most looking at the existing situations and so on. But today, world is in a different gear, different kind of situation, in a devastated way, in a demoralizing way, the things that are happening. So ESS 2024 becomes more important than ever when we made it decision. So in the context of today, 2022, this has a new vision, new way of doing things. And it makes it more important, strategically historic event, because of the immediate past. Tokyo Olympic was in a mess because one, it has to be postponed, another is a kind of the way it was done, halfway kind of thing. Now Beijing Olympic is coming up. Still, it's not a very healthy and enthusiastic way that it should be done. So probably 2024 will be a real big one happening. At that time, it will not be a celebration of the sports world. It will be a celebration of the entire world, how we want to redesign the world itself. So we are preparing not for the sports alone, which we did in 2018. Today, we'll be preparing for the whole world to see what Paris Olympic means. It will be in the tradition of French history that you will be leading the world. France will be leading the world, how to redesign the world in a completely different way. And that's where this social business comes in. That's all the thing that you have just reported briefly, informally. It's a fantastic thing that you're doing. So this is our historic role. That's what I wanted to mention, and we'll make it happen. Thank you very much.
Thank you very much for this very, very important words. Tony Estanguet, donc le président de Paris 2024, est-ce que vous voulez introduire aussi cette réunion? Je te Merci. Passe la parole, Merci. Tony. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à toutes et tous. Thank you so much, dear Mohamed Yunus. It's always an honor to listen to you. And since the beginning of this journey in 2016, your guidance have been very, very fruitful and useful. So thank you so much for your support, your words, always very inspiring. And you're right to say that it's much more than just a sport project. It's the games are definitely a project open to the world. And what we try to achieve together is something very important. So I think today the idea is to make sure that we continue. As you said, 2022 will be a key momentum for the success of Paris 2024. We already have good results achieved over the past year, and I think today we will have a first presentation of all those results. But definitely, as you said, 2022 will be a key momentum because the majority of the different aspects will come from 2022. So definitely, we will continue. Maybe I will switch into French for the rest. Go ahead, of the, please. Of the theme. Yeah, please. Yeah. But thank you so much. Donc effectivement, depuis le début du projet, je pense qu'on est tous convaincus que l'implication des acteurs de l'ESS est déterminante pour réussir notre pari et être au niveau de l'ambition de ces Jeux de Paris 2024. On veut des jeux inclusifs, on veut des jeux durables, on veut des jeux innovants et définitivement l'ESS peut vraiment nous aider. Vous savez, en inaugurant de la commande publique accessible à tous ces acteurs, et donc grâce au programme ESS 2024 et à tous les outils qui ont été développés par vous tous, que ce soit la plateforme ESS 2024, la newsletter, les cahiers d'impact, les rencontres territoriales, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vraie avancée sur tous nos sujets. On a également, en complément de SS 2024, souhaiter travailler sur une stratégie responsable des achats. Et on a des indicateurs forts en faveur de l'ESS dans les achats de Paris 2024. On a décidé d'ailleurs d'évaluer aussi ce pilier numéro 5 de notre stratégie responsable intitulée création de valeur sur les territoires. Avec justement le nombre d'ESS et de TPE, PME qui gagnent nos marchés. C'est vraiment un engagement très fort de notre côté. Sur tous nos marchés de sécurité de restauration, nous avons un seuil minimum de 10% de personnes en insertion parmi les salariés. Bien évidemment, on est dans une logique de meilleur effort et de voir comment est-ce qu'on peut toujours essayer d'aller un cran plus loin. On est en train de faire un certain nombre d'efforts, notamment sur les prestations autour du village des athlètes, où on s'est engagé même à 15% d'insertion dans les prestations de la restauration du village. En 2022, on va passer, comme je le disais, une étape importante parce que c'est quasiment la moitié de nos marchés qui vont être lancés. 50% des marchés seront lancés en 2022. Et donc, c'est forcément une année déterminante pour choisir les bons prestataires qui vont travailler pendant Paris 2024. Il est obligé de, par exemple, il a mis une photo là où il a un repas de famille avec. Votre micro si vous pouvez. Avec des comme s'il avait dans sa famille des Renault, etc. Autour d'un. Pardonnez-moi, monsieur Taïbib. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez bien couper votre micro? On vous entend. Je suis navré. Merci beaucoup. Denis, on te repasse la parole. Okay. Excuse-moi de t'interrompre aussi. Professeur Yunus, I know that you have a very important meeting this afternoon for you in Dakar. Feel free to let us when you want, okay? Okay, okay. Thank you. I'll do that. Okay, thank you very much. Thank you, Professor.
Donc oui, on va ouvrir un certain nombre de marchés donc en 2022 dans les secteurs des transports, le mobilier, les équipements des villages olympiques et paralympiques, le nettoyage et les déchets, l'événementiel, la signalétique, l'organisation des cérémonies et sur la sécurité, bien évidemment. Tous ces marchés sont de formidables opportunités pour toutes les ESS et donc nous devons poursuivre nos actions pour permettre à toutes ces ESS d'en bénéficier. Donc on a encore une fois plutôt obtenu de bons résultats jusqu'à présent sur nos premiers marchés. Je donne l'exemple du siège du comité d'organisation où 55% des entreprises viennent de ces structures. Mais il faut bien évidemment voilà, rester très vigilant parce que le gros des marchés arrive en 2022. On va poursuivre le sourcing et l'accompagnement pour que ces structures de l'ESS soient prêtes à répondre à ces marchés. Et puis, on doit présenter toutes ces opportunités de recours à l'ESS dans les négociations que nous menons avec nos futurs prestataires pour que nos ambitions en la matière deviennent les leurs et soient mises en application jusqu'au jour et même après. Nous échangeons en ce moment notamment avec les futures entités de livraison, l'exemple du Stade de France ou du Château de Versailles ou surtout les sites de compétition, parce que là aussi, on va devoir mettre ces ambitions en application aux côtés de ces prestataires retenus jusqu'au jeu. On va vraiment évaluer sur chacun des sites de compétition combien de structures ESS auront été associées. Il y a aussi des emplois, bien évidemment, qui sont à la clé derrière tous ces marchés, des emplois locaux en direction des personnes qui sont éloignées de l'emploi et grâce à votre mobilisation à tous, collectivités, entreprises, nos acteurs, l'État, bien évidemment, tous ces partenaires de Paris 2024 qui vont nous aider à apporter des solutions concrètes pour l'emploi. Donc nous, de notre côté, on va continuer aussi à développer les job dating avec une vraie ambition en 2022 aussi pour passer à 100 job dating en 2022. Là aussi, grâce au soutien très important de Pôle emploi, de l'ANS, du Haut Commissariat à l'emploi et bien évidemment de toutes les entreprises partenaires qui jouent le jeu aussi et qui acceptent de participer à ces job dating. Donc voilà, en conclusion, c'est vraiment une aventure collective. Moi, je voudrais remercier tous les acteurs au nom de Paris 2024. Je crois qu'on est en train de construire un nouveau modèle de livraison, d'organisation. Ce modèle, il doit apporter ses preuves, bien évidemment, mais on a un potentiel collectif qui est incroyable et je voulais vraiment vous remercier toutes et tous. 2022 va être une année passionnante, déterminante aussi pour la réussite de Paris 2024 et vous pouvez compter sur nous pour faire le mieux possible. Merci et bon comité stratégique à tous. Merci beaucoup. Donc je passe la parole à Michel Cadeau qui est donc délégué interministériel aux Jeux Olympiques pour ce propos introductif également. Merci, je le ferai, je vous prie de m'en excuser pour ce qui concerne le professeur Younous, je le ferai en français, très brièvement d'ailleurs, pour exprimer d'abord au nom de l'État l'engagement total des pouvoirs publics sur la nécessité pour ces Jeux de 2024, de positionner l'économie sociale et solidaire comme un élément central de la réalisation de ces Jeux, comme un marqueur de ces Jeux, et bien au-delà, effectivement, comme le disait le professeur Younous il y a quelques instants, bien au-delà du seul secteur sportif ou de la seule réalisation de la livraison, mais bien dans la démarche d'ensemble que nous souhaitons présenter au monde sur un modèle de développement et un modèle de croissance durable. Pour cela, l'État est très engagé, il l'est au niveau de l'ensemble de ses composantes ministérielles et des autorités gouvernementales, il l'est par les agences, et notamment évidemment une identité certaine, Pôle emploi, l'Agence nationale du sport, les agences en matière environnementale, et nous serons dans les trois années qui restent, extrêmement vigilants à les mobiliser aux côtés des partenaires et des entreprises. Aujourd'hui, je voudrais dire simplement
trois autres points. Aujourd'hui, le socle a été posé, les cinq composantes de l'économie sociale et solidaire sont bien connues. On a le dispositif qui est en place. Il a déjà été largement mis en œuvre pour les investissements structurants, pour les immobilisations que porte la Solideo, la société de livraison des ouvrages. Il nous faut maintenant poursuivre les efforts pour obtenir des résultats significatifs et accroître la part de l'économie sociale et solidaire dans tous les marchés au moment où le COJO, Paris 2024, le comité d'organisation, va passer à la quasi-totalité de ces marchés. Il en est à 20% de ces marchés, il va, alors que la Solideo en est à 80%, et donc c'est là qu'est notre cible 2022, ça a été dit tout à l'heure également, mais pour nous, il faut absolument qu'on saisisse cette opportunité pour amplifier la place de l'économie sociale et solidaire. C'est le premier point, et pas seulement au niveau des clauses d'insertion pour lesquelles il y a eu des engagements clairs du COJO, mais d'une manière plus générale dans la méthode de passation des marchés. Deuxièmement, pour cela, il faut aller sans doute plus loin et plus fort en matière de référencement et d'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire que qu'opère la plateforme. Les chiffres que vous allez présenter tout à l'heure sont assez parlants. Il y a aujourd'hui 204 entreprises qui ont été attributaires de marché. Il y a 4500 entreprises qui sont dans la plateforme. Il faut donc poursuivre cette démarche de référencement. Il faut inciter les entreprises à se faire référencer et ainsi à pouvoir augmenter davantage la couverture territoriale, puisque aujourd'hui 50% des entreprises référencées, des 4500, sont en Île-de-France. Il faut aussi le développer sur l'ensemble du territoire, et il faut valoriser et optimiser ce potentiel économique. Dernier point, je veux souligner le fait aussi qu'il est nécessaire que nous puissions développer dans les entreprises elles-mêmes leur capacité d'organisation pour mieux répondre au marché et aux appels d'offres, se préparer au dialogue compétitif, établir une façon de mieux valoriser et de mettre en avant leur standard de service. Et donc, il y a un travail en amont qui doit permettre d'avoir une plus grande entrée d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les marchés, et ainsi faire en sorte qu'en nombre d'entreprises comme en part budgétaire, les résultats s'amplifient en 2022 et 2023. Je conclue en indiquant simplement que pour l'État, nous avons décidé, au-delà de cet engagement très fort, d'en faire un des éléments, des mesures de l'impact des Jeux dans pour la France. Et donc, nous avons établi un peu plus d'une dizaine de thèmes sur lesquels nous mettons en œuvre une mesure de l'impact des Jeux effectuée par des organismes officiels, universitaires et autres, externes aux opérateurs eux-mêmes, qui ne sont ni ceux de l'État, ni ceux du COJO ou de la Solideo, mais bien un panel d'experts et d'autorités indépendantes qui nous permettront de mesurer l'impact de l'ESS. Et à nos yeux, ce sera un des éléments de la réussite des Jeux. Et c'est ce combat que nous portons avec vous et avec conviction, compte tenu des bons résultats déjà enregistrés en ce début de l'année 2022, et dont je remercie tous les participants. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pierre Abadan, le représentant d'Anne Hidalgo, le président de la Solideo. Et Pierre est adjoint à la maire de Paris en charge des sports et des Jeux Olympiques. Merci Elisa, bonjour à toutes et à tous, mes meilleurs voeux pour tous ceux que je n'ai pas vus pour cette nouvelle année. Juste un petit mot en anglais avant de revenir au français. Just a professor to say hello to you and to telling you how proud you are to having you with us still since, as Tony Estange said, 2016, if I remember well. And a big thank you to be there. It's really important to focus on the development and the objective of what we would like to achieve with the Olympics Paris 2024. So big thank you again, and I hope to see you again until 2024. So I come back in French, sorry. Yes, please. Go ahead. Je n'avais pas vu le professeur Younous, donc j'étais
obligé de lui dire un petit mot. Très rapidement, beaucoup a été dit par le président du COJO et puis par le délégué interministériel sur le sujet, donc je ne vais pas être très long. Je voudrais d'abord commencer par remercier les canaux, Elisa et Christophe Divi, qui font tourner la plateforme et grâce auxquels on peut, au fil du temps, pour ceux qui la suivent, sur l'ensemble des informations qui sont distillées, mesurer le travail qui est fait, même si il y a encore beaucoup à faire devant nous, et l'ambition est toujours là et elle porte ce qui doit être pour nous un objectif important de l'héritage des Jeux, hein, sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Et je m'associe avec mon collègue Florentin Letissier qui est connecté, et on espère bien continuer, accélérer encore d'ici 2024 le développement de l'économie sociale et solidaire, parce que les Jeux de Paris, qu'ils soient olympiques ou paralympiques, doivent servir à ça. Alors il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en place, de process qui sont indispensables pour ça, pour relever les trois défis, hein, qui pour moi résument bien l'économie sociale et solidaire, à la fois l'inclusion, et ça a été rappelé par le délégué interministériel, nous avons des ambitions fortes qui sont affichées, qui sont parfois vécues par certains comme des contraintes, mais qui nous semblent indispensables dans l'objectif de Paris 2024. Nous avons aussi une volonté de développement de l'emploi local, là où vont s'implanter les différents sites de compétition notamment. Et puis, il y a un rapport au respect de l'environnement qui est aussi une composante importante de l'économie sociale et solidaire et qui nous anime toutes et tous dans ce travail. Je crois qu'aujourd'hui, il nous revient autour de ce comité stratégique et du travail qui est fait autour de l'ESS 2024 de démontrer l'efficacité de l'économie sociale et solidaire et de le faire savoir encore plus. Et peut-être, et je me permets de le dire au nom à la fois de la maire de Paris, mais de l'ensemble peut-être des collectivités qui sont connectées, de mieux relayer, de trouver une base encore plus large de nos acteurs économiques, parce que, à titre personnel, je suis extrêmement sollicité par des TPE, par des PME, par parfois des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui réclament d'être impliquées dans les Jeux et de connaître les mécanismes, les marchés, qui n'ont pas toujours connaissance des dispositifs déjà existants. Donc peut-être, ici, nous avons encore une marge d'amélioration et de manœuvre sur les mois et les années qui arrivent pour aller chercher, comme l'a dit Michel Cadeau, les objectifs ambitieux que nous avons et que nous souhaitons atteindre pour réussir non seulement l'organisation évidemment essentielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi leur héritage au travers d'un pilier qui est le développement de l'économie sociale et solidaire, un pilier parmi d'autres, mais celui-là que nous portons tous ensemble. Et je vous remercie de votre participation, et les objectifs sont encore, même si beaucoup a été fait, devant nous pour atteindre l'ambition que nous souhaitons faire pour ces Jeux. Merci à toutes et à tous et bon conseil stratégique, et toujours ravi d'être à vos côtés. Merci Pierre. Je passe la parole à Thibaut Chagnas, qui est le nouveau secrétaire général de la Solidéo. Thibaut, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer en physique, mais ravi de vous rejoindre en ligne, et je vous passe la parole. Merci beaucoup Elisa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à mon premier comité stratégique. First, I'd like to thank you, Professor Yunus, for such an enthusiastic introduction and for reminding us what is at stake here. It's not only about sport for this global event, it's also about how to build, how to frame the world we'd like to have. So, thank you. Je poursuis en français. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Quelques éléments macro, vous connaissez certainement, mais la Solidéo, c'est 62 mètres d'ouvrage. Ce sont 2 milliards de marchés de travaux, 10 000 salariés mobilisés. Et donc, c'est aussi un outil indéniable, un outil important de transformation sociale et de développement territorial possible. Nous avons des objectifs que nous avons contractualisés avec les maîtres d'ouvrage. C'est un quart des marchés des ouvrages qui doivent être accessibles aux TPE, PME et structures de l'ESS, soit 500 millions d'euros. Et sur ces 500 millions d'euros de cibles, actuellement, nous en sommes à 215 millions d'euros pour les structures de l'ESS. Donc, comme le disait M. le délégué Cadeau, beaucoup de choses ont été mises en place et il faut continuer. En 2021, nous avons travaillé collectivement à mieux identifier les structures potentielles dans un travail donc, de sourcing pour mettre en adéquation à la fois leurs compétences et puis les capacités des besoins des maîtres d'ouvrage. C'est passé notamment par notre événement Meetup,
du 28 septembre dernier avec 400 organisations qui ont participé, dont un tiers dans le secteur de l'ESS, pour donc que les organisations et les maîtres d'ouvrage se rendent compte, comme le disait Monsieur le maire Pierre Rabadan, il faut que l'information circule et il faut qu'elle circule encore peut-être davantage. Donc, où nous en sommes aujourd'hui? Actuellement, nous avons 42 structures de l'ESS qui travaillent déjà sur les ouvrages olympiques et on peut s'en féliciter collectivement, soit en sous-traitance pour la construction ou sur des marchés de services connexes au chantier, la restauration, conciergerie, le réemploi, le recyclage, la logistique, la blanchisserie, le nettoyage. Je donne quelques exemples de ces structures. Nous avons notamment Ideal, qui est lauréat d'un des premiers marchés réservés de la Solideo sur la logistique de chantier. Je citerai également Alage, qui est une association spécialisée dans les espaces verts et qui est présente dans trois marchés différents, et d'autres, de la Solideo et d'autres maîtres d'ouvrage, soit en tant que titulaire, soit en tant que taux-traitant, soit en tant que sous-traitant. Tricycle Environnement, qui fournit du mobilier pour la base vie sur le chantier. Et puis, je citerai enfin Label Gamel, qui a, grâce à ce partenariat, qui a pu lancer une activité de traiteur événementiel. Donc en 2002, notre objectif à nous, Solideo, c'est de continuer sur cette lancée, de poursuivre nos actions, afin que toujours davantage les marchés publics intègrent les aspects sociaux, que aussi davantage de marchés soient réservés. Nous allons a priori mettre en place un nouveau meet-up avant l'été, toujours pour que les derniers donneurs d'ordre, suite aux derniers marchés qui auront été notifiés, puissent une nouvelle fois rencontrer l'écosystème de l'ESS et que l'information circule. Ce qui est important, et ça a déjà été dit, c'est qu'il faut que collectivement on arrive aussi à ce que les différentes structures justement se structurent pour mieux être en capacité de répondre aux différents appels d'offres et consultations. Voilà, je m'arrête là et merci à tous et bon comité stratégique. Merci Thibault. Vous nous avez donné des exemples concrets de marchés justement remportés par des structures de marché de Solideo. Je vais peut-être refaire un petit point sur les chiffres qui ont été évoqués par chacun d'entre vous. Alors, pour vous dire qu'effectivement, 204 entreprises de l'ESS ont été attributaires d'un marché des jeux, donc jusqu'à présent. Et comme vous l'avez dit, on n'est pas au même niveau entre Paris 2024, les collectivités et la Solideo. La Solideo a passé aujourd'hui 80% de ses marchés. Et donc, et Paris 2024 en a passé 20%, l'année 2022 étant assez charnière pour Paris 2024. Alors, quand on regarde en termes de résultats, on a 130 entreprises de l'ESS qui ont remporté un marché de Paris 2024. Alors, ce sont aussi des petits marchés, mais on voit qu'il y a eu vraiment la volonté sur tous les premiers petits marchés de développer beaucoup de prestataires ESS. Du côté de la Solideo, alors vous parliez de 42, nous on a recensé 47, donc il y en a un petit peu plus, 47 entreprises de l'ESS qui ont remporté un marché. Et donc on peut considérer que c'est relativement peu au regard des 80% des marchés publiés. Et là, c'est un petit peu une alerte qu'on vous fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des engagements qui ont été pris par les maîtres d'œuvre de contractualiser avec des sous-traitants et des co-traitants. 2022 va être le moment où on va pouvoir vérifier que effectivement ces contrats sont passés, et c'est la raison pour laquelle il n'y a aujourd'hui que 47 entreprises qui ont réellement contractualisé et beaucoup d'autres à venir qui devraient contractualiser si les maîtres d'ouvrage réalisent ce qu'ils nous ont dit qu'ils feraient. Et donc, c'est vrai que c'est du coup, ça rend les revues de projets très importants et ça rend l'attention qu'on doit tous porter est très forte. Ensuite, la ville de Paris, qui porte aussi des marchés au travers les ouvrages qu'elle conduit, a 14 entreprises de l'ESS ont remporté un marché. Au niveau de la métropole, notamment sur l'Arena 10, donc là, vous avez un petit peu le nombre. Après, c'est aussi lié au nombre de marchés à passer, hein. Il faut le mettre en relation. Mais ça vous donne une première vue. Et puis, on regarde les autres. La semaine suivante pour dire qu'effectivement, et ça, c'est très important,
c'est dans tous les secteurs d'activité qu'on peut trouver des structures de l'ESS. Il y a des, dans les 4500 entreprises référencées, on est vraiment sur tous les secteurs d'activité. Donc, et là, on le voit dans ceux qui ont déjà remporté des marchés, il y en a autant dans la restauration, dans les goodies, dans tout ce qui est l'accueil ou la location, la gestion des déchets sur le bâtiment, mais dans le domaine de la communication également. Donc, on va dire que c'est très diversifié en termes de secteurs. Et puis, au total, quand on regarde le nombre de marchés qui ont au moins une entreprise de l'ESS attributaire, on est sur 15% des marchés, donc c'est un bon résultat. Et effectivement, il faut continuer à être très attentif à ce que les engagements pris soient réalisés. Alors, pour que ça soit très parlant, on a voulu donner la parole à l'une des entreprises. On le fait à chaque fois et dans le cours de ce comité, il y aura comme ça plusieurs interventions d'entreprises qui ont remporté, de l'ESS qui ont remporté des marchés et qui pourront du coup nous raconter un peu comment ça se passe dans la réalité et en pratique. Et là, je vais laisser la parole à Anne-Laure Baudrillard qui dirige une entreprise adaptée, donc une entreprise du handicap, ASK, et qui a remporté le marché sur la formation à la diversité et à l'inclusion de Paris 2024. Donc Anne-Laure, je vous laisse la parole. Bonjour. Comment c'est passé? Bonjour, merci beaucoup. Petite correction, c'est pas Anne-Laure, c'est Julie Cherrier qui prend la parole aujourd'hui, Anne-Laure étant mon associée. Julie, on vous passe la parole. Just one word in English first. So, hello, oui. I'm very happy to be here with you. We are HASC. We are three women and we have different kind of disability. And we created our business 5 years ago to improve inclusion in companies. Donc je vais continuer en français. Donc bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Julie, donc je suis responsable de la communication au sein de HASC, le handicap au service des compétences. Nous sommes trois femmes, toutes les trois donc à la tête de ce business, qui n'est pas une entreprise adaptée, pardon, mais nous sommes sous statut qui est très méconnu et qui fait partie de la sous-traitance en responsable, qui est les TIH, les travailleurs indépendants handicapés, donc des chefs d'entreprise en situation de handicap. Nous sommes toutes les trois des femmes avec des expériences respectives et des compétences, et nous sommes toutes les trois atteintes en situation de handicap avec trois handicaps différents. Voilà pour HASC. Nous proposons des services aux entreprises en faveur de l'inclusion, donc des formations, des sensibilisations au handicap et également du conseil. Nous avons créé notre société il y a maintenant 5 ans et notre plus grande fierté, c'est de travailler aujourd'hui avec des groupes nationaux et internationaux. Notre expérience du coup avec ESS 2024, qui est exceptionnelle jusqu'à maintenant, et on espère que ça va continuer, puisque en participant donc à cette aventure, on a pu avoir accès aux différents outils qu'on proposait ESS 2024 pour nous mettre en connexion avec d'autres entreprises de l'ESS. Et de là, un coup de foudre s'est produit avec une autre entreprise de l'ESS qui est Anemo, spécialisée dans la diversité. Nos deux sociétés sont véritablement tombées amoureuses l'une de l'autre, puisque quand on a les valeurs de l'ESS dans les veines, ça colle immédiatement, le professionnalisme idem, la vision des choses. Donc ça s'est fait vraiment très rapidement et ça a été très très facile de travailler ensemble. Suite à cela, donc, nous avons souhaité effectivement répondre à un premier appel d'offres portant sur la formation à la diversité et à l'inclusion pour la workforce de Paris 2024, marché donc, que nous avons remporté. Donc, il y avait trois lauréats à cet appel d'offres dont nous faisons partie, donc avec ce commandataire Anemo. Pour notre participation aux appels d'offres de Paris 2024. Pour vous dire le stade d'avancement, nous sommes actuellement en cours de négociation sur le premier bon de commande à l'intérieur de cet appel d'offres et nous sommes en train de finaliser. On a hâte de commencer à travailler. Évidemment, cette collaboration donne lieu à un véritable booster et transfert de compétences, puisque en travaillant aussi vite et aussi régulièrement ensemble et en ayant les mêmes valeurs, nous avons vraiment un gros transfert de compétences qui est fait entre HASC et Anemo. Et puis, évidemment, le marché en lui-même et ESS 2024 nous a conduit à investiguer de nouveaux terrains, à apprendre très vite et vraiment dans d'excellentes conditions. Donc, merci à ESS 2024 de nous accompagner dans cette aventure. Merci
Julie. Merci. Alors maintenant, on va laisser la parole à justement à ESS à Paris 2024 qui va nous expliquer comment le Pulse est un lieu tout à fait exemplaire de ce qu'ils veulent mettre en place sur l'ensemble ensuite des sites olympiques. Donc je vais passer la parole à Georgina Grenon, qui est la directrice de l'excellence environnementale, et à Sylvère Chamoine de l'équipe Achat pour nous raconter un petit peu ce Pulse et comment il a été aménagé, organisé, etc. avec de l'ESS. Merci beaucoup. Merci Elisa. Vite, une introduction très rapide avant de passer la parole à Sylvère. Pulse, effectivement, c'est le premier site olympique pour nous, olympique et paralympique. Il était très important que pour notre prise de ces sites, on puisse déjà faire la préfiguration de ce qui est notre ambition pour l'ensemble des sites olympiques et paralympiques. Donc, gros travail de préfiguration, gros travail d'accompagnement avec vous, dont on s'est réjoui, et les résultats sont là pour les prouver. Et j'en parlerai tout à l'heure d'autres résultats très importants qui sont en cours, non plus sur Pulse, mais vraiment sur le reste des sites et des villages. Donc, je passe la parole à Sylvère. Oui, merci Georgina et merci à tous pour vos différentes interventions. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Alors moi je vais vous parler effectivement du siège social de Pulse, qui est, comme le disait Georgina, le premier site olympique qui est ouvert depuis un an, qui est vraiment l'illustration, je dirais aujourd'hui concrète, du déploiement opérationnel de la stratégie responsable des achats et de ces cinq piliers dont Marie Barzac vous a parlé en introduction. Alors, pour répondre aux besoins de fonctionnement et d'exploitation de ce site, nous avons lancé 15 marchés dans des secteurs très variés, le mobilier, la maintenance, l'accueil, le nettoyage, l'entretien des espaces verts de la terrasse au 8e, la restauration d'entreprise, la sécurité-sûreté, les équipements bureautiques ou les équipements audiovisuels. Alors, Pulse, c'est la mobilisation de 31 acteurs économiques, dont 17 structures de l'ESS. Alors, parmi ces 17 structures de l'ESS, on retrouve 4. C'est aussi 3 entreprises titulaires en Seine-Saint-Denis de rang 1, comme Arteis de Neuilly-Plaisance sur la partie Facility Management, BSA Saint-Ouen sur les équipements de reprographie, ou la SNEF de Saint-Denis pour les équipements audiovisuels. Et c'est également 3 entreprises de la Seine-Saint-Denis de rang 2, c'est-à-dire qui interviennent au second rang des prestataires titulaires qui ont été retenus, comme Maison Jardin Service d'Aulnay-sous-Bois, C+Net pour la partie nettoyage, également implantée à Aulnay-sous-Bois, et Moulineau qui intervient sur la gestion des déchets et qui est implantée à Stain. Ce qu'il faut retenir aussi, le chiffre qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que 40% du montant total des marchés de Pulse ont été attribués à la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un élément important à retenir également. Pulse, c'est également, je dirais, la 3 marchés closés, c'est-à-dire des marchés qui intègrent une clause sociale d'exécution. Donc, sur le mobilier, c'est par exemple 4000 heures d'insertion. Sur la sécurité, c'est 15 000 heures d'insertion. Et sur le FM, la partie Facility Management dont je vous parlais tout à l'heure, on a un taux d'insertion de 66%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 salariés sur 3 aujourd'hui sont en insertion. Ça représente 20 personnes. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Derrière, je crois qu'on a les entreprises qui interviennent. Alors, rapidement, on retrouve sur la partie fabrication de mobilier éco-conçu des entreprises comme Atelier Emmaüs, Fourniture for Good, Formilab ou Maximum. Sur la partie réemploi et seconde vie du mobilier, on retrouve des entreprises comme Cèdre, Tricycle, Valdelia du côté insertion, on retrouve des entreprises dont je vous ai déjà parlé, des SIAE comme Maison Jardin Service, Team et la Conciergerie Solidaire. Et sur la partie, on va dire, restauration durable, zéro gaspillage alimentaire et gestion des déchets, des entreprises comme Moulineau, Upcycle, Too Good To Go, Les Adbertiers et
Et les chaînons manquants. Et le chaînon manquant, voilà, exactement, sur la partie zéro gaspillage alimentaire. Voilà. Alors, peut-être justement, il y a un témoignage intéressant qui arrive derrière, et puisque c'est vrai que la formation des groupements n'est pas toujours très simple, et je pense que ce témoignage de Thibaut Jean-Baptiste va être intéressant, qui est le fond. Alors Thibaut, on vous laisse la parole. Thibaut Jean-Baptiste, oui. Le fondateur de Fourniture for Good et qui justement a remporté un marché un peu en consortium et qui va nous raconter ça. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir ce matin. Tout d'abord, un petit mot, professeur. Professeur, it's such an honor to be here with you this morning. Even if it's just in an internet window, you are such an example for me and our generation. So thank you to be here today. Je vais continuer en français. Donc, Fourniture for Good est une maison d'édition de mobilier éco-responsable créée en 2019. Notre entreprise s'est créée sur deux constats. Le premier, c'est que plus de 80% du mobilier en France est importé parfois de l'autre côté du monde et qu'en France, chaque année, il y a 3 millions de tonnes de déchets qui sont produits par l'industrie de l'ameublement. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème là-dedans et on a eu une rencontre qui a tout changé. Ça a été une rencontre avec l'entreprise Le Pavé, qui est une entreprise francilienne qui produit des matériaux recyclés issus des déchets du quotidien. Donc, leur matériau vient de plastique. Tous ici, nous avons déjà utilisé du plastique qui sert à leur plaque, donc des produits cosmétiques, des bouteilles de lessive, des bouchons de bouteilles, j'en passe et d'autres. Et chez Fourniture for Good, on a voulu prouver qu'il était possible de faire du mobilier design 100% fabriqué en France et qu'on puisse apporter de l'industrialisation dans le process, de pouvoir vraiment apporter une solution à des acteurs comme les Jeux Olympiques, mais également aux collectivités locales, aux professionnels, et vraiment rendre accessible ce mobilier éco-responsable. Donc, en amont, nous utilisons des matières recyclées, que ce soit l'acier ou le plastique, comme je vous le disais. Mais l'important, c'est également penser à la suite et d'apporter l'après, le pouvoir recycler quasiment l'intégralité de notre mobilier pour éviter justement que ce mobilier se retrouve à la poubelle comme une grande partie aujourd'hui de l'ameublement. Donc nous, nous avons eu la chance début 2020 de pouvoir former un groupement grâce à l'impulsion de l'ESS 2024 et des canaux que je remercie énormément pour ça. Je tiens également aussi à nommer les entreprises avec lesquelles j'ai pu former ce groupement parce que je n'en serai pas là aujourd'hui. Donc, à l'entreprise Maximum, Noma Edition, Happy Up, Studio Emmaüs et les structures associées et Kataba. Comme disait Silver, effectivement, tout n'a pas forcément été tout rose. Nous avons quand même la chance le 31 juillet d'avoir un coup de fil qui m'a fait réaliser un rêve, à savoir participer aux Jeux Olympiques. C'est par nos chaises et pas par ma forme physique, malheureusement. Et ce marché donc, s'est suivi sur plusieurs semaines. Et malheureusement, l'entreprise qui chapeautait ce groupement n'a pas forcément joué le jeu jusqu'au bout, nous a mis un peu des bâtons dans les roues et on s'est retrouvé face à des difficultés en termes de volume de marché gagné. Et je remercie Silver et ses équipes car ils nous ont toujours accompagnés, ils nous ont accueillis au siège des Jeux Olympiques dans l'immeuble Pulse. Et encore aujourd'hui, on est en contact régulier. Et ça nous a donné envie avec toutes ces structures de nous relancer en groupement. Et aujourd'hui, avec donc, toutes ces structures, et je nomme aussi Kataba qui est une entreprise de l'ESS, et le groupe Manutan qui a repris le lead sur ce groupement, nous avons créé le groupement Village Responsable pour le futur marché des villages olympiques, pour montrer qu'il est quand même possible, et malgré les aléas que nous avons connus sur ce marché, de pouvoir faire de l'économie et du responsable pour les Jeux Olympiques 2024. Donc merci à tous et merci aux Jeux Olympiques qui respectent leur parole d'avoir des Jeux de plus en plus durables. Et je pense que le pari est en train de se gagner. Merci à tous et bonne journée. Merci Thibaut. Alors justement, on va voir maintenant sur les autres sites, les marchés des autres sites. Et Christophe Divy, qui dirige l'équipe ESS 2024 et que je tiens à remercier vivement ce matin pour tout l'engagement de lui, de ses équipes, voilà, auprès de vous, puisqu'il travaille toujours auprès de vous, va nous faire un point sur les marchés de ces autres sites.
Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi. Effectivement, je salue l'équipe ESS 2024 qui fait un travail remarquable à la fois pour préparer Scopil et puis aussi pour l'activité quotidienne. Je suis ravi d'autant plus de reprendre la main sur la présentation pour faire suite à Thibaut. Je crois que le témoignage de Thibaut était tout à fait direct et transparent. On a aussi besoin qu'effectivement les difficultés qui sont rencontrées puissent être exprimées, partagées pour pouvoir les lever. On a aussi besoin des belles histoires. Il y en a une douzaine qui sont à l'écran. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif. On a souhaité faire une illustration sur certains marchés directs. Alors, Le Village, qui effectivement est un site sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Thibaut Chagnès, on a déjà présenté plusieurs de ces entreprises. On a pu travailler en étroite collaboration de manière très, très directe aussi. Et je tiens à souligner le travail qui est fait avec les équipes de la Solideo. Peut-être s'il fallait en retenir un d'exemple, je prendrais le marché réservé de nettoyage, parce que celle-là, on l'aime bien. C'est des belles histoires qu'on aime bien. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé assez en amont avec les équipes de la Solideo pour réserver le marché, ce qui est déjà finalement un bel exemple de ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer d'aider à la décision d'achat d'une certaine manière, pour éclairer un peu les consultations, faire en sorte qu'elles soient fléchées vers l'ESS en fonction de leur potentiel, de leur capacité, de leur appétence. Est-ce que oui ou non, elles sont prêtes à y aller ? Et en l'occurrence, Clair et Net et Coup de Main, qui sont deux boîtes d'insertion implantées à Paris. Alors, il y a une entreprise d'insertion et une association intermédiaire. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, les entreprises d'insertion spécialisées dans le nettoyage à Paris, et donc elles avaient pour autant elles n'avaient jamais travaillé ensemble, et donc elles se sont mises en consortium, elles se sont groupées, elles ont répondu, elles ont gagné. Et là aussi, un peu comme le témoignage de Thibaut, ça n'a pas été facile, on ne va pas se mentir, pour commencer à exécuter les prestations, et pour autant maintenant ça fonctionne, c'est parti, on tire les enseignements aussi de ces difficultés pour pouvoir se projeter un petit peu sur la suite et multiplier le nombre d'attributaires et de lauréats de l'ESS. Et on va avoir un gros enjeu, c'est la slide suivante, ça a été dit déjà aussi par Thibaut Chagnès tout à l'heure. On va avoir un gros enjeu maintenant sur le village des athlètes pour travailler sur toute la chaîne de production des opérations. Maintenant qu'on est vraiment dans le dur, sur la signature de ces contrats de sous-traitance, on avance le premier, le deuxième, jusqu'au quatrième, cinquième niveau de sous-traitance. Il faut toujours qu'on soit en lien très direct avec évidemment les entreprises générales, les constructeurs, la suite des promoteurs qui ont contractualisé avec la Solideo. Et on a un gros enjeu de transformation. Alors, je crois que le message fort pour 2022, s'il fallait en retenir un, peut-être le prioritaire, c'est celui-là, il faut qu'on transforme. Il faut qu'on arrive à sécuriser ces contrats, il faut que les entreprises de l'ESS qui apparaissaient dans les groupements, et c'est très bien, puissent maintenant, effectivement, surtout celles que vous avez à l'écran, qui sont plutôt des entreprises qui vont intervenir en phase d'héritage, mais d'autant plus, c'est important, parce que c'est elles qui vont rester après 2024, une fois que le site sera reconverti. Et donc, on a plusieurs grandes associations, plusieurs grandes entreprises sociales qui sont ici à l'écran, et qu'on accompagne dans cette relation de discussion, dans cette relation contractuelle maintenant qu'on espère dans les prochaines semaines pour continuer cette démarche. C'est M. Cadeau qui l'a dit, M. le délégué interministériel, qu'on puisse continuer sans cesse cette démarche pour multiplier, même si on en a beaucoup des attributaires de l'ESS, il faut qu'on en ait encore davantage, que ce soit sur des petits contrats, parce que c'est exemplaire d'avoir des premiers contrats qui sont signés par ces boîtes. L'exemple du marché réservé tout à l'heure était une bonne illustration, je pense, et aussi sur des gros marchés. Il faut qu'on arrive maintenant à pénétrer les plus gros marchés pour adresser des plus gros volumes de business, et c'est en transformant le potentiel des business qu'on va derrière transformer les recrutements sur le territoire et les recrutements inclusifs. Alors, un exemple, parce qu'on en a déjà des attributaires, effectivement, il faut les mettre en avant, il faut les valoriser. Un exemple avec Idéal. Alors, Idéalogue, en réalité, vous avez changé de nom, vous allez nous raconter tout ça, Audrey, récemment. C'est la filiale du groupe Louange, alors spécialisée sur la logistique de chantier, belle activité de service de chantier. Vous travaillez, bonjour Audrey, merci beaucoup de vous être rendu disponible, d'être avec nous pour témoigner. Vous travaillez sur Gennevilliers, sur un marché de la Solideo. Racontez-nous un peu, alors, qui vous êtes, votre structure, votre organisation, le marché, comment vous avez répondu, avec qui, et puis maintenant, comment ça se passe? On vous écoute. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir convié à témoigner. Donc, effectivement, au début... On vous entend de manière très lointaine. Ouais. Ah, vous m'entendez mal? Alors, on vous entend, mais le son est très distant. Est-ce que vous pouvez soit parler plus fort, soit augmenter le son, peut-être? Oui. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais. C'est mieux. OK, très bien. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour témoigner. Donc, Idéal, qui effectivement a changé de nom pour plus de visibilité, on a rajouté le OG pour Idéalogue pour logistique. Donc, on a créé en fait cette entreprise d'insertion qui est la filiale d'un groupe qui est assez jeune, puisque le groupe Louange a 2 ans, mais a fédéré une dizaine de PME, TPE qui ont une histoire commune de fondateurs.
pour mutualiser en gros les fonctions support qui sont tous autour de la logistique de chantier. Et effectivement, depuis 7-8 ans, c'est une activité qui s'intensifie beaucoup, qui croît beaucoup sur l'ensemble des gros marchés. Donc, c'est un secteur qui se professionnalise et pour beaucoup des agents polyvalents, c'est souvent des premiers niveaux de qualification et souvent, du coup, on est beaucoup impacté par la clause sociale. Et à un moment donné, les fondateurs se sont posé la question d'essayer de faire un modèle un peu vertueux. Et donc, on a eu l'idée de créer cette filiale-là. Qui a commencé son activité en septembre 2020. Donc voilà, et ben, ça coïncide avec tous les marchés de la Solidéo qui sont arrivés. Donc on est déjà présent depuis avril sur le village olympique, mais en tant que sous-traitant. J'ai rencontré les canaux avec Julie qui m'a expliqué comment se faire référencer sur la plateforme. Donc on s'est référencé sur la plateforme. Et petit à petit, ben voilà, on a commencé à s'intéresser à tous les marchés qui sortaient. Une compétence que je n'avais pas du tout. C'est vrai que les petites structures de l'IAE, parfois, c'est un peu ce qui pêche. C'est comment on répond à des marchés publics. Donc, en parallèle, ben c'est ça, Julie et son équipe m'a informé qu'il y avait des marchés réservés qui allaient sortir. Donc, on a regardé. J'ai assisté à des formations de comment répondre aux marchés publics, aux appels d'offres par les réseaux de l'IAE, donc la Fédération des entreprises d'insertion, et dans le Val-de-Marne où on était installé par la tête de réseau qui s'appelle le RIAE 94. Donc voilà, donc le marché de Gennevilliers est sorti, on s'est penché dessus, on s'est demandé comment on allait répondre en propre. Et on a répondu au marché qu'on a obtenu. Donc, le marché de Gennevilliers, c'est une zone tampon. C'est un gros parking où arrivent de plus en plus les camions pour désengorger l'arrivée des camions de matériaux sur le village olympique. Donc, on a deux agents en permanence qui sont sur les créneaux 6h-20h. Donc, on les a formés. On a dû se former sur une application pour pouvoir... enregistrer et être en relation avec ce qu'on appelle la régulation qui est sur le village olympique. Donc aujourd'hui, le marché de Gennevilliers, le village olympique, c'est 10 agents en permanence et 2 chefs d'équipe qui sont cadrés par nos chefs d'équipe, sachant qu'au total, on a 20 salariés en insertion. Ça nous a amené à se poser la question du développement territorial et là, on a déposé un projet à l'adresse du 93 pour développer une antenne sur le 93 et être au plus près et pouvoir se développer. Parce qu'avec les marchés qu'on a obtenus aussi en sous-traitant sur 2022, on devrait avoir en permanence au total entre 15 et 20 agents en insertion sur les marchés, soit de la Solidéo ou soit des marchés qui sont en relation avec les JO 2024. Voilà. Parfait, merci beaucoup Audrey. On aurait pu continuer longuement cette illustration, le temps nous a un peu compté, mais je crois que c'était très éclairant, et aussi bien sur cet exemple de la logistique ou sur celui du nettoyage tout à l'heure avec Coup de Main et Claire et Net, le fait d'avoir travaillé, d'avoir ses premières expériences, ses premières références sur les chantiers vont permettre maintenant à ces boîtes, avec d'autres, hein, sur ces secteurs, sur ces activités, de pouvoir prétendre à d'autres consultations, de pouvoir prétendre à se positionner sur des futurs marchés, ceux de Paris 2024, notamment sur les sites de compétition. Je passe la main et la parole à Olivier Debargue. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous ce matin pour que tu nous présentes les marchés de Paris 2024. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un vrai plaisir de partager avec vous des résultats plus que des stratégies. On est très attaché à mettre en œuvre maintenant de manière très opérationnelle nos approches communes. Vous le savez sans doute, le modèle d'organisation des Jeux s'est un peu renouvelé avec Paris 2024. On a l'ambition de s'appuyer sur les forces en présence, sur les acteurs de l'événementiel et du sport qui en France représentent un secteur fort, capable, et souvent en fait autour de PME en fait. Hein. Les structures auxquelles on s'adresse ne sont pas des très grosses structures, c'est plutôt des PME. Et donc, on a engagé avec elles dans ce qu'on appelle le modèle Event Delivery, le fait de porter ensemble notre stratégie responsable des achats. C'est-à-dire que le modèle en lui-même, il n'oublie pas notre volonté commune de faire des jeux responsables. Au contraire, il amène ces acteurs-là à embarquer dans notre stratégie responsable. Et ça se traduit, pour illustrer, par plusieurs choses comme
un critère de durabilité dans nos appels d'offres qui est fort, qui est à un niveau de 20%, et je peux vous dire que le marché n'est pas habitué à ce niveau de, à ce niveau d'intensité des enjeux responsables. Et puis, lorsqu'on travaille avec ces candidats, eh ben, on mène avec eux des ateliers dans lesquels on vient expliquer, on vient illustrer notre stratégie responsable et on vient les encourager à embarquer dans le dispositif et à s'appuyer en particulier sur ESS 2024 et sur les canaux pour la mise en œuvre très concrète de solutions pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc on ne lâche rien sur ce modèle et au contraire, on est en train d'élever le niveau de maturité de ces acteurs du secteur événementiel et sportif et c'est là aussi où on va avoir un héritage fort, je pense, après les Jeux. Donc, on s'adresse à ces structures, on les encourage à faire appel au secteur de l'insertion du handicap, à elles-mêmes se grouper pour répondre à la taille parfois de nos marchés. Et on sent qu'on progresse, on sent qu'on challenge un peu l'existant et on sent qu'on tire vers le haut ces acteurs. Donc, on a le sentiment que ce modèle EDM va permettre d'avoir un impact significatif sur nos marchés d'une part, mais aussi sur l'avenir. Et donc ça, c'est plutôt des signaux très encourageants qui nous amènent à poursuivre ces efforts et à accompagner le mieux possible nos futurs organisateurs d'événements pour les Jeux. Je crois qu'il y a une... Oui, pardon. Olivier, est-ce que tu as fini? Je passe la parole à Georgina. Oui, volontiers. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une page supplémentaire. Non, je ne crois pas. L'idée, c'était que Georgina puisse nous présenter les cahiers d'impact et comment ça, justement, ça permet à Paris 2024 de faire du sourcing de solutions et notamment de solutions environnementales. C'est ça. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Marie Bassac l'a dit quand elle a présenté en tout début les différents piliers de notre stratégie responsable des achats. Ils sont le premier pilier, c'est l'économie circulaire, donc énorme travail pour repenser les jeux, pour inclure justement l'économie circulaire dans la conception même des marchés, dans la conception de tout ce que nous allons acheter, prévoir la deuxième vie des choses. Et du coup, énorme travail avec vous pour insérer à la fois les critères qui sont nécessaires à l'économie sociale et solidaire, mais aussi à nos ambitions environnementales. Il y a notamment un certain nombre de cahiers d'impact qui nous ont été très utiles dans les designs, dans la conception des cahiers des charges liés au village, par exemple. Et là, vous en avez à l'écran, il y en a quatre, la gestion des déchets, le nettoyage, l'alimentation, et aussi les mobiliers en économie circulaire. Et je voudrais faire un petit focus justement sur ces cahiers d'impact parce qu'il faut se dire qu'on a pris le temps, je pense, d'apprendre à la fois à construire ces cahiers d'impact et à s'en servir. Et ces cahiers d'impact autour du mobilier en économie circulaire étaient particulièrement utiles et particulièrement intéressantes, je pense, à la dynamique des travaux, que j'espère faire aussi un héritage de jeu, parce que il y a eu déjà une forte implication des prescripteurs de Paris 2024. Donc, c'était un travail que nous avons réalisé, que vous avez réalisé, ces cahiers d'impact, mais c'était piloté par la direction de la logistique, avec les directions d'élection environnementale et de l'héritage aussi en appui. On s'est tous rassemblés pour définir exactement ce dont on avait besoin. Il y a eu aussi un très, très fort intérêt des structures qui ont participé. Des mémoires, c'était une trentaine ou une quarantaine de participants qui ont justement pris part aux échanges afin de pouvoir avoir une cartographie des acteurs comprendre où, qui était où, pour faire quoi, qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer. Et en fait, ça fait une reverse sourcing. Donc, c'est ces recommandations en fait, qui nous sont arrivées nous ont permis de modifier, de déstructurer l'appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé incessamment sous peu. Donc, je pense que c'est dans la journée, ou en tout cas à la fin de la semaine. Cet appel à manifestation d'intérêt pour le mobilier a inclus les recommandations des acteurs pour qu'on puisse mieux prendre en compte ce que l'ESS a à nous proposer,
à la fois pour le village, mais aussi, et plus tard, pour justement les acteurs qui vont livrer d'autres activités sur d'autres sites. Donc, ce n'est pas que pour Paris 2024 ou pas que pour les villages. C'est vraiment, je pense, un des cahiers d'impact qui va être très, très, très utile pour le reste de l'écosystème de Paris 2024. Entre autres, ça a permis aussi d'identifier une certaine territorialisation des acteurs pour que, justement, ils puissent répondre à des besoins d'acteurs français, voire des acteurs étrangers, mais qui souhaitent livrer avec de la valeur locale autour de nos sites partout en France. Donc voilà, ça c'est pour, par exemple, des solutions de location, des solutions d'achat-vente et des mobiliers en upcycling. Voilà, plein de choses pour éviter aussi de tout fabriquer et puis de tout détruire, comme c'est souvent malheureusement le cas dans l'événementiel. Donc voilà un exemple pour nous d'une bonne façon de procéder, à la fois pour écrire un cahier d'impact et se servir de processus pour alimenter la rédaction des appels à projet, des appels à manifestation d'intérêt ou des appels d'offres. Nous comptons continuer cette démarche, en particulier avec deux cahiers des charges, deux cahiers d'impact qui sont en préparation, très intéressants pour l'excellence environnementale. Donc, la ressource et déchets de l'événementiel, et aussi les numériques responsables, qui est tout nouveau. C'est un thème avec beaucoup d'avenir et dans lequel on pense que l'économie solidaire peut aussi jouer un rôle. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous de ces histoires de succès. Merci beaucoup, Georgina. Effectivement, ce sont 10 cahiers d'impact qui ont déjà été réalisés dans tous les secteurs d'activité et qui représentent vraiment un héritage puisqu'ils sont utilisés aujourd'hui par les collectivités locales, par les partenaires, par d'autres entreprises dans le sourcing pour leur politique d'achat responsable. Et c'est une très bonne transition pour cette dernière partie qui va vous montrer finalement comment d'autres acteurs se saisissent de ce qui a été fait avec Paris 2024 et la Solidéo, notamment les collectivités territoriales, les entreprises. Donc Christophe, tu nous présentes aujourd'hui des exemples dans les collectivités et partenaires de Paris 2024 qui mettent aussi en œuvre ESS 2024. Oui, tout à fait. Merci Elisa, merci Georgina. C'est vrai que les cahiers d'impact, on les a un peu ajustés là sur 2021 en travaillant étroitement avec l'équipe de Georgina, avec l'équipe de Marie, avec l'équipe achat d'Olivier, là aussi en bonne intelligence pour que ça puisse être le plus utile possible pour les services de Paris 2024, les directions qui prescrivent, qui ont des besoins, et puis les acheteurs le moment venu. On a essayé de les territorialiser, c'est des documents qui sont désormais consistants, et puis on a adapté un certain nombre d'autres de nos contenus, de nos formats, de nos outils, pour qu'effectivement ça puisse être directement utile pour Paris 2024, le comité d'organisation, mais aussi l'ensemble des partenaires, et notamment les partenaires, les pouvoirs publics des territoires, les collectivités locales. Il y a de plus en plus, et ça va être encore le cas, ça va s'accélérer beaucoup cette dynamique en 2022, il y a de plus en plus de consultations qui sont lancées sur les territoires, des marchés locaux d'une certaine manière, notamment en lien avec l'animation du label Terre de Jeux, avec les futurs centres de préparation aux jeux. Tout ça génère un certain nombre d'opportunités de business. Alors, elles sont plus nombreuses, mais elles sont plus petites d'une certaine manière, parce qu'elles sont plus localisées. Et pour autant, la nature des activités, le fait qu'elles soient moins volumineuses, c'est tout à fait générateur pour les entreprises de l'ESS. Elles peuvent tout à fait, si on leur offre la possibilité, si on leur offre la condition, elles peuvent tout à fait se positionner sur ces marchés et les remporter. Et donc, c'est important, avec cette nouvelle page en ligne sur le site internet, avec cette veille permanente qu'on fait, et on diffuse les marchés à ces entreprises qui sont dans les territoires pour qu'elles puissent éventuellement se positionner et aller chercher, on parlait tout à l'heure des réseaux de l'insertion par l'activité économique, aller chercher les bons relais d'accompagnement sur les territoires avec lesquels on travaille au sein de la plateforme pour pouvoir se positionner et soumissionner sur ces différents marchés. C'est important, cette actualisation et ce travail qu'on fait sur les marchés territoriaux, parce que c'est la suite concrète, c'est la slide suivante d'un travail d'animation, de mobilisation qu'on a conduit depuis 18 mois avec le soutien et le partenariat stratégique du groupe BPCE. On est allé
aller dans les territoires pour aller repérer ces entreprises de l'ESS, en tout cas celles qui en avaient envie de se positionner, celles qui manifestaient un intérêt pour se positionner sur les marchés des jeux, pour leur délivrer de l'information. Et c'est très bien de s'y être pris en amont avec le groupe BPCE, parce que maintenant, ce qu'on a dit, à savoir qu'il y aurait des marchés, ça commence à se concrétiser. Il y a évidemment les marchés directs, on en a parlé beaucoup, et puis il y a tous ces marchés territoriaux direct, parfois on les appelle, c'est un peu inélégant comme formule, mais ils sont pour autant tout à fait quotidiens. On a quelques exemples en ce moment sur le pays de Montbéliard, sur les crêpes aussi à Wattignies en Haute-France, à Montpellier en Occitanie, on a la ville de Venelle dans le pays d'Aix, vous voyez, je prends différents niveaux de collectivités, différents types de marchés, tout ça c'est du business local, et on pense que l'ESS a tout à fait sa carte à jouer si on les accompagne dans des bonnes conditions. Alors c'est le cas des collectivités, c'est aussi le cas des partenaires privés, les gros majors, les gros opérateurs aux côtés de Paris 2024. Alors c'est pas exhaustif ce que vous avez à l'écran, on a pris quelques illustrations, malgré tout sur deux grandes filières qui nous semblent tout à fait stratégiques. Alors elles sont stratégiques parce qu'il y a un potentiel, on a repéré ce potentiel et cette capacité à faire des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et il s'agit maintenant d'aller contractualiser les sous-traitances sur toute la chaîne de production alimentaire, sur la filière de l'alimentation responsable avec Sodexo, sur la filière de la production textile, d'un certain nombre d'équipements textiles avec Decathlon, et donc le travail de sourcing, le travail d'accompagnement à la constitution des groupements de sous-traitance avec ces gros opérateurs, avec ces majeurs privés, fait aussi partie des grandes priorités sur 2022. Et puis peut-être pour finir, puisqu'on est en début d'année, donc ça s'y prête bien, vous l'avez compris, il y a deux grandes priorités là, qui se dessinent devant nous collectivement, avec l'ensemble de nos partenaires. La première, c'est qu'il faut qu'on puisse, et tout ce qu'on a jalonné, tout ce qu'on a structuré avec le soutien de Paris 2024 et de la Solideo en 2021, doit nous permettre, première priorité, d'être prêt pour maintenant accompagner la montée en charge de ces consultations. Les marchés directs de Paris 2024, tous ces marchés privés, les marchés des collectivités locales dans les territoires, et il faut qu'on puisse, et c'est la deuxième priorité, même si les marchés augmentent, alors ils augmentent en nombre, et puis si on les prend un à un, ils vont aussi augmenter en volume de production attendue, de fourniture, de services, d'équipements attendus. Et pour autant, deuxième priorité, il ne faut jamais qu'on lâche, je crois que c'est une des particularités de la plateforme et de l'équipe, il ne faut jamais qu'on lâche le niveau d'intensité qu'on veut délivrer. Thibault en a parlé un petit peu sur la qualité de l'accompagnement, sur le sur-mesure, sur le niveau de services très personnalisés qu'on s'astreint. Alors évidemment, pas avec toutes les boîtes, parce qu'on en a plus de 4500 maintenant, mais avec le plus grand nombre, pour pouvoir personnaliser cette relation de travail et créer toutes les chances qu'elles puissent accéder, ces boîtes, sur un certain nombre de ces futurs marchés. Alors, on ne pourra pas le faire tout seul, nécessairement, et c'est aussi une des caractéristiques assez fortes de la plateforme. Elle est mutualisée, et elle collabore avec un certain nombre de partenaires. J'ai parlé des réseaux dans les territoires, et puis tous les partenaires stratégiques qui sont avec nous ce matin, et à qui je propose de donner la parole pour nous dire un petit mot aussi sur comment est-ce que ça leur fait écho. Est-ce que vous avez des points d'attention, de vigilance aussi, des priorités sur lesquelles vous voulez vous positionner avec nous dans les prochaines semaines sur cette année 2022 qui s'ouvre? Donc on vous donne la parole et on vous remercie d'être avec nous ce matin pour cette séquence. On commence par Madame Mélissa Youssou, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Si vous voulez nous dire quelques mots. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? J'ai eu quelques problèmes de son tout à l'heure, super. Alors le département partage votre volonté de jeu plus solidaire, plus durable. Et ça a été dit, l'ensemble du pays sera en jeu, mais son image aussi. Et du coup, il s'agit pour ESS 2024, JO 2024, et les entreprises 2024, les canaux, tous ces sigles avec 2024 à côté, d'avoir une place centrale aux côtés des pouvoirs publics pour permettre à certains territoires de pouvoir bénéficier des Jeux Olympiques. Pour nous, l'impact de l'héritage immatériel est très important et presque plus important que l'héritage matériel. Et c'est pour ça que sur l'ensemble de ces sujets et sur l'année 2022, on aura à cœur de regarder ce qu'il se fait pour que notre territoire puisse bénéficier pleinement des Jeux. Monsieur Cadeau l'a dit, et d'autres également l'ont dit avant moi, on voit que la Solideo s'est munie d'une charte qui permet que 10% des heures travaillées soient
soit effectuée en insertion, qui permet également que 25% des marchés attribués soient favorisés pour les PME, les TPE et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être préférable que le COJO, par exemple, puisse se munir d'une telle charte pour que nous puissions, nous, après, décliner ça grâce à JO 93, qui est JOP de 93, qui est une structure du département, pouvoir décliner l'ensemble des dispositifs que vous nous permettrez de mettre en place, parce que nous sommes quelque part un petit peu contraints par certaines décisions. Et donc, j'ai eu les mêmes interpellations que, alors je ne sais plus qui le disait, un élu de la mairie de Paris disait, je suis souvent interpellée par des entreprises qui nous disent qu'ils ont l'impression que les jeux se font un petit peu sans eux. C'est un petit peu le cas en Seine-Saint-Denis. Alors on voit ce que permet notamment les canaux, par exemple avec le fait que sur les 42 SIAE sélectionnés, 11 viennent de Seine-Saint-Denis, donc ces résultats-là sont encourageants et ces chiffres-là sont encourageants. Je parle d'Alage, des pistes migrateurs ou d'autres encore. Donc tout ça est encourageant, mais certains ont l'impression que les jeux se font sans eux. Et moi, je pense que ils ont ce sentiment-là, en tout cas que ce sentiment-là est nourri par le fait que les marchés publics actuellement se font avec très peu d'allotissements, ce qui fait que il y a que les majors finalement de chaque métier qui peuvent répondre au marché public. En tout cas, c'est comme ça que les entreprises de Seine-Saint-Denis le vivent, et elles se sentent contraintes finalement à ne pouvoir répondre qu'à de la sous-traitance, alors qu'elles voudraient pouvoir répondre directement au marché public. On est qu'en 2022, on l'a très bien compris, c'est maintenant que tout ça se joue, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce stade. L'idée, enfin, on est sûr en plus que ce qui a été répété plusieurs fois, la volonté d'avoir des jeux solidaires, d'avoir des jeux vertueux, d'avoir des jeux durables, fera que la Seine-Saint-Denis sera davantage prise en compte pour ces prochains mois, pour les prochains marchés publics attribués. Et en tout cas, on espère que ce plaidoyer de la Seine-Saint-Denis sera porté par tous afin de pouvoir répondre à cette volonté. C'est le professeur Younous qui disait que la France allait être le leader du monde lors de ces Jeux Olympiques. Nous, on espère que la place de la Seine-Saint-Denis dans cette manière de diriger le monde sera tout aussi importante. Je vous remercie. Bonjour. Alors, je vais passer la parole. Marie, est-ce que tu voulais réagir? Alors, on ne t'entend pas du tout. Alors, peut-être qu'elle interviendra ensuite. C'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, peut-être une réaction très rapide. On ne s'est pas rencontré encore, madame, mais j'espère que ça sera le cas prochainement. Pour quand même dire que les choses ne sont pas si noires que vous le dites. On passe énormément de temps à rencontrer les acteurs de la Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais mes collègues qui sont dans la salle virtuelle le savent. On fait beaucoup de meet-up. On a répondu à toutes les sollicitations du territoire. On les rencontre régulièrement. Donc, vous dire que nous sommes loin des attentes du territoire, je ne crois pas. Les acteurs de la Seine-Saint-Denis s'organisent. Ils ont un soutien fort auprès de ESS 2024. Et peut-être que ça sera l'occasion d'une prochaine fois, Elisa, pour détailler comment vous avez onboardé les acteurs de la Seine-Saint-Denis dans ESS 2024, parce que c'était une stratégie également. Et puis, sur le sujet des allotissements et des marchés réservés, on n'a peut-être pas assez insisté tout à l'heure, mais c'est une vraie stratégie. Olivier Lebargue l'a détaillé. On passe, Georgina aussi, on passe beaucoup de temps en amont du lancement des marchés pour tout à fait identifier nos capacités d'allotissement et notre capacité à réserver les marchés. Donc, on a vraiment à cœur de pouvoir laisser de la place aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et aux TPE, PME plus largement.
Ben, je crois qu'effectivement, Pierre Rabadan le disait aussi pour la ville de Paris, et c'est vrai qu'il y a une attente du terrain, et la communication, c'est jamais assez, et il faut toujours en faire plus. Et ce comité stratégique, c'est aussi un appel qui vous est fait, à vous, les collectivités, pour organiser des événements. Nous, on est vraiment là à chaque fois pour venir. Enfin, dès que vous organisez quelque chose, on vient, on présente ESS, on référence, on est vraiment auprès des structures et ça dépend beaucoup de ça. On en organise beaucoup nous-mêmes, mais on a quand même forcément des moyens limités pour organiser la totalité des événements. Puis vous connaissez aussi très bien vos territoires, les acteurs sur place, vous avez des relais de communication qui font que ça démultiplie les choses si on le fait ensemble. Donc vraiment, on est à vos côtés, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ce volet-là. Je passe la parole à Elisa, pardon, juste un petit rappel peut-être juste des chiffres sur Pulse qui ont été dit tout à l'heure, mais peut-être pas assez fort, comme disait Marie. Sur les 15 marchés qui ont été lancés pour Pulse et les 31 fournisseurs mobilisés, il y a 6 entreprises de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est important de retenir ça aussi. Pour compléter peut-être ton propos. Sylvère, pardon, on va arrêter, on va faire le tour de parole, le tour de table des membres du comité stratégique et puis on reviendra après peut-être dessus si vous voulez faire des réactions, des commentaires. Alors, je vais passer la parole à la vice-présidente de la région Île-de-France, Sylvie Mario, qui est en charge de l'économie sociale et solidaire et des achats responsables. Donc justement, est aussi impliquée dans ces Jeux Olympiques par tout ce volet. Merci beaucoup Elisa de me donner la parole. Alors d'abord, je suis ravie d'être avec vous parce que, comme Elisa vient de le rappeler, ma délégation couvre deux domaines qui sont l'économie sociale et solidaire et les achats responsables. Et donc du coup, ce matin, c'est bien, je suis en plein dans mon élément. Je pense que ESS 2024 est l'exemple même de ce qu'il faut faire en termes d'apport d'affaires à l'ESS. Alors, pourquoi l'ESS est si important pour la région Île-de-France, enfin pour l'exécutif de la région Île-de-France, je pense que c'est vraiment, on est tout à fait conscient que notre région est à la fois la plus riche, mais celle qui concentre le plus d'inégalités. Que ce soit des inégalités sociales et territoriales, ça c'est quelque chose dont on est parfaitement conscient, mais on est aussi conscient de la chance que nous avons d'avoir des structures de l'économie sociale et solidaire qui sont très souvent porteuses de solutions, capables de relever ces deux défis, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, que connaît notre territoire. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on a mis en place une stratégie de développement économique de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est convaincu que l'ESS ne pourra rendre au mieux son impact qu'en se développant, en ayant accès à du business, en fait, pour dire voilà, les choses concrètement. Et donc, on a mis en place cette stratégie de développement économique en 2017. Aujourd'hui, on est en train de retravailler, puisque certains le savent peut-être, nous travaillons sur le SRDE2I, ce qui veut dire le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc en gros, c'est la future stratégie de la région donc pour les 6 années à venir. Donc le travail de concertation est en cours. On auditionne beaucoup de personnes, beaucoup de structures de l'ESS. Les enjeux de Jeux Olympiques Paris 2024 et les enjeux de l'ESS sont bien évidemment pris en compte totalement dans ces concertations et seront pris en compte dans la future rédaction de ce SRDE2I. Parallèlement à ça, il y a un travail également en cours à la région sur ces schémas de la commande publique responsable. Alors bien sûr, hein, c'est pas un sujet nouveau pour nous. Hein, ça fait longtemps qu'on a déjà intégré des dimensions environnementales, territoriales, socialement et éthiquement responsables dans les achats de la région. Il faut savoir que les achats de la région, c'est 1 milliard d'euros
Donc c'est colossal. Et je pense que s'il y a un message que je voudrais lancer ce matin, c'est de dire qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait par ESS 2024, un travail de référencement extraordinaire, puisque vous disiez tout à l'heure que c'était, je crois, 4500 structures de l'ESS qui étaient référencées. Et on a parlé aussi de l'héritage, et je pense que justement, l'un des héritages de Paris 2024, ce sera aussi de voir comment on peut utiliser par la suite ce magnifique référencement, puisque c'est l'une des problématiques qui est très souvent soulignée par les structures de l'ESS, c'est leur difficulté à approcher les acheteurs publics et à se faire connaître auprès de ces acheteurs publics. Donc là, il y a un outil extraordinaire qui a été construit et dont je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse ensemble à la meilleure façon dont il pourra continuer à rendre service à aux entreprises qui se sont référencées dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie beaucoup. Merci Sylvie, merci. Et juste peut-être pour rappel, ces 4500 entreprises qui sont référencées, effectivement, elles le font d'elles-mêmes. C'est-à-dire que nous, les référençons pas, c'est elles qui s'inscrivent. Et une fois qu'elles sont inscrites, nous les contactons et nous qualifions. C'est-à-dire que nous travaillons vraiment avec elles sur leur offre, qu'est-ce qu'elles proposent et comment on peut les aider à répondre à des marchés des jeux, mais également à d'autres marchés publics. Donc, c'est vrai qu'en matière d'héritage, on travaille sur comment cette base et puis cette connaissance des achats responsables sur un marché exemplaire peut être mise à disposition des collectivités et des grandes entreprises. Alors, je vais passer la parole maintenant à Florentin Letissier, qui est adjoint de la maire de Paris en charge de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Florentin. Merci beaucoup Elisa. Je voulais, comme Sylvie Mario, effectivement, moi aussi féliciter tout le travail qui a été fait par l'ensemble des acteurs sur ce sujet de l'implication de l'ESS dans Paris 2024. C'est très important parce que ça visibilise encore plus l'ESS et on sait que nous, on est convaincus que l'ESS est génial, mais pour beaucoup de gens, l'ESS, ça demeure quand même quelque chose d'assez inconnu ou flou. Et donc, tout ce qui est fait là, avec cette démarche ESS 2024, ça contribue à visibiliser encore plus l'ESS et c'est vraiment très précieux. Et moi, j'étais content de voir dans les différentes présentations passer des noms de structures que je connais bien en tant qu'élu parisien et de voir qu'elles sont embarquées dans la dynamique de Paris 2024, c'est vraiment génial. Et on voit en plus qu'elles sont présentes dans de nombreux secteurs. Donc, on n'est vraiment pas sur une ESS qui est positionnée sur des niches, sur des secteurs de niche, mais on est sur de l'ESS qui va sur des secteurs où elle est peut-être moins identifiée, par exemple des métiers de service, dans la communication, dans l'accueil, ce genre de choses, c'est peut-être moins des secteurs où l'ESS est présent historiquement, mais voilà, je voulais vraiment dire ça. Par rapport à l'intervention de Mélissa Camara, c'est vrai que nous, en tant qu'élus locaux, on a ces interpellations, et Pierre Rabanan l'avait dit au début de la réunion, mais parce qu'en fait, nous, on est sur le terrain tout le temps, donc forcément, on a toujours beaucoup d'attentes de la part des acteurs, et c'est aussi notre travail, effectivement, d'amplifier la communication. Il faut maintenant que nous, on passe aussi une nouvelle étape sur cette année 2022, pour inciter les acteurs à se faire référencer. Moi, je prépare une initiative là côté Ville de Paris pour justement appeler les acteurs qui ne l'ont pas fait encore à se faire référencer. Les cahiers d'impact, effectivement, c'est des choses aussi qui sont très intéressantes. Je rejoins ce qu'a dit Sylvie à l'instant. J'ai noté aussi tout à l'heure, c'est Christophe qui parlait du fait que les acteurs peuvent se faire accompagner pour se constituer un consortium par rapport à la question de la taille, la fameuse question de la taille des acteurs ESS qui parfois sont trop petits et ont des réticences à répondre à certains marchés, les aider à se constituer en consortium, leur dire qu'ils peuvent être accompagnés, ça je crois que c'est un discours très très important. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que nous les collectivités effectivement, je parle pour Paris, mais j'ai envie de dire aussi peut-être qu'il faut qu'on décloisonne un peu plus, parce que moi quand j'entends Mélissa Camara, quand j'entends évidemment Sylvie et Marie aussi, tout ça, de se dire peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse en commun, qu'on décloisonne aussi un petit peu parfois nos communications pour donner encore plus de force sur ces enjeux d'ESS. Donc moi, je serais ravi aussi qu'on en parle ensemble entre collectivités là pour 2022, qu'on voit comment on peut peut-être mutualiser certaines communications. Et voilà, en tout cas, on est déterminés et on a bien noté qu'en 2022, c'est une année clé en termes de nombre de marchés aussi qui vont arriver. Donc, on est vraiment dans les starting blocks, pour reprendre une métaphore sportive. Voilà. Merci à toutes et tous.
Ben, je rebondis sur cette proposition et du coup, je vous propose peut-être de faire, si vous voulez, un petit groupe de travail, on va dire un Zoom collectivité sur comment est-ce que vous voulez organiser des événements dans l'année 2022, est-ce que vous voulez vous coordonner. Si vous le souhaitez, on peut organiser un petit groupe autour de ce sujet-là. Je pense que ce serait effectivement très chouette. Je donne la parole justement à une autre collectivité impliquée qui est Plaine Commune, le maire de Stain, Azedine Taïbi, qui est vice-président de Plaine Commune et qui est en charge de l'économie sociale et solidaire. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Écoutez, moi je suis aussi ravi de participer à ce comité stratégique et puis ravi de mesurer combien l'ambition commune est très forte pour placer l'ESS au sein de cet événement important. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'a justement précisé, ce qu'ont justement précisé soit Mélissa Youssouf ou également Florentin Laetitier. Il n'est pas question de remettre en cause justement le travail et puis l'engouement collectif que nous menons ensemble et que l'ensemble des partenaires, et je tiens vraiment à les remercier parce que je trouve que la collaboration est extrêmement riche avec les partenaires de l'ESS 2024, mais vous comprenez bien que la place de l'ESS dans nos territoires est pour nous essentielle parce que si on prend l'exemple ici sur Plaine Commune et plus largement sur le département de la Seine-Saint-Denis, l'ESS constitue maintenant un véritable écosystème, un écosystème qui est bien ancré dans nos territoires, qui est bien ancré auprès des populations et parfois les populations les plus vulnérables. Donc il y a un enjeu extrêmement majeur pour raccrocher cet événement important et auprès des populations. Je prendrai quelques exemples, mais des réponses ont été apportées. Je pense qu'il faut vraiment poursuivre cette démarche d'allotissement qui avait déjà été engagée et voir de quelle manière on peut adapter un certain nombre de dispositifs pour encore mieux accompagner les acteurs qui sont totalement prêts. Et Florentin Laetitier le disait très justement, et de voir comment on s'assure encore plus, parce que je sais très bien que les choses vont très vite avancer, comment on s'assure à ce que l'ensemble des acteurs de l'ESS, à la fois celles et ceux qui sont déjà très bien structurés, mais il en existe aussi d'autres qui ont besoin d'être un peu mieux accompagnés, à ce qu'on s'assure que ces partenaires puissent en tous les cas bénéficier du travail collectif et d'actions très fortes. Donc je sais que toutes et tous, l'ensemble des partenaires institutionnels ou privés, et j'en suis convaincu, se donnent vraiment les moyens dans ce sens-là. Et bien évidemment, les collectivités que nous représentons, et c'est mon cas pour Plaine Commune, nous serons de toute façon au rendez-vous pour mener à bien ce projet. C'est un projet certes tourné vers le sport, mais c'est aussi un projet solidaire, un projet collectif. Et c'est une manière de montrer à voir que ici en France, et plus principalement dans cette région Île-de-France, il y a des atouts importants qu'il faut en tous les cas développer, préserver et accompagner jusqu'au bout. Donc voilà, c'était un peu le sens de mon intervention pour permettre en tous les cas de mener à bien ce projet extrêmement important. Et je tiens une nouvelle fois vraiment en mon nom, au nom du président Mathieu Hanotin et l'ensemble des élus, vraiment remercier, féliciter la qualité du travail qui est déjà engagé avec l'ensemble des partenaires. Merci, merci beaucoup Azedine. Alors, l'ESS, c'est une myriade de statuts, de catégories, de fédérations de l'insertion, du monde du handicap, du monde de l'écologie. Enfin, il y a vraiment une très, très large catégorie d'organisation. Et comme je vous le disais en ligne, beaucoup nous suivent sur cette émission, mais celui qui représente en fait l'ensemble de ces organisations que nous associons dans le cadre de la plateforme ESS 2024, c'est Jérôme Sadier, qui est le président de ESS France, qui justement fédère toutes ces organisations. Jérôme, je te tends le micro. Merci beaucoup Elisa, bonjour à tous. Et d'abord, quitte à faire rougir les équipes, mais n'en peuvent plus depuis une heure et demie bientôt. Bravo Elisa, Christophe et à l'ensemble des équipes, Marie bien sûr, pour le travail que vous avez déjà réalisé. Le chemin est encore long, mais il faut tenir et je vous encourage à toujours faire preuve de la même ténacité. On l'a vu tout à l'heure, Elisa, quand tu donnais quelques chiffres au tout début de cette conférence. Les résultats sont évidemment très encourageants. Il y avait peut-être un bémol sur les résultats de la Solideo à ce stade.
Moi, je veux juste te dire, puisque tu m'invitais, Elisa, à prendre une casquette très très large en tant que porte-parole de l'ensemble des formes, des structures et des activités d'économie sociale et solidaire, je rappellerai que l'ESS, ce ne sont pas que des activités d'insertion, ni même des activités en matière d'économie circulaire. C'est très important à l'intérieur de l'ESS, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Donc, si jamais la Solideo a besoin de prendre contact avec des entreprises du BTP en matière d'ESS, par exemple, ou entreprises ESS, pardon, dans le cadre du BTP, du secteur du BTP ou dans d'autres secteurs propres à la construction, je suis prêt à mouiller la chemise pour en indiquer quelques-unes si besoin. Donc, n'oublions pas que l'ESS est une cible beaucoup plus large que ce qui a pu être présenté parfois dans des exemples tout à fait pertinents. Par ailleurs, et je félicite les différents lauréats des marchés. Écoutez, je vais juste élargir le propos pour vous dire deux choses. Pour l'ESS française, et encore une fois, j'y assiste dans une très grande diversité d'approches. Je vous rappelle même que parmi les partenaires premium, il y a le groupe BPCE qui est un groupe d'économie sociale. Les JO constituent, je pense, le plus grand effet levier qui n'ait jamais existé sur l'économie sociale française. Il y a eu des effets leviers territoriaux, parfois aussi conjoncturels, mais à ce stade-là, un événement qui combine à la fois une approche territoriale très ambitieuse, et je remercie les collectivités territoriales d'y croire à fond, mais aussi au-delà de ça, une dimension conjoncturelle qui vise à pérenniser un héritage derrière. Voilà. Je ne pense pas que ça ait beaucoup existé, avec des règles aussi ambitieuses également, qui favorisent l'ESS, les PME aussi de manière plus large, je ne pense pas que ça ait déjà existé. Donc, on ne peut pas se permettre d'échouer, en fait, parce que ce qui doit sortir de là, c'est des entreprises de l'ESS plus fortes, une vision de l'ESS plus documentée par rapport au grand public, aux décideurs, etc., et une appréciation de l'impact qu'a l'ESS sur les territoires, sur les personnes, sur les services que l'on rend, etc. Je ne vais pas revenir sur ce que disait tout à l'heure Christophe sur les cahiers d'impact notamment. Et Marie, bien entendu. Ça, c'est la première chose. Donc, l'effet levier considérable de ces JO sur l'ESS ne peut pas échouer. Donc, nous devons absolument réussir et nous donner tous les moyens pour ça. Et puis, plus généralement, je ne vais plus parler de l'ESS dans ce deuxième point, je crois que le sport professionnel et de manière générale, même si les JO ne sont pas que la vitrine du sport professionnel, loin de là, mais on ne peut pas dire non plus que c'est seulement la vitrine du sport amateur, comme c'était encore le cas il y a quelques années. Donc le sport de masse, dès qu'il est médiatisé aujourd'hui, on va dire qu'il n'a pas que bonne presse. Voilà. Et d'ici là, nous aurons d'ailleurs un grand événement international avec la Coupe du Monde de foot au Qatar, dont je suis à peu près persuadé qu'elle va continuer, cette Coupe du Monde, à alimenter les polémiques, à n'en plus finir, jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu. Juste après les JO de Paris 2024, avec la Coupe du Monde de rugby aussi avant, mais vont être, je l'espère, des contre-exemples parfaits de ce que sera cette Coupe du Monde de foot au Qatar. Pardon, je le dis un peu cash, mais il y a un grand enjeu à montrer qu'il n'y avait pas de fatalité à ce qu'un événement sportif mondial verse dans une telle caricature. Donc, il y a aussi cet enjeu-là, montrer qu'il est possible, comme ça a rarement été le cas, qu'un événement sportif international, qui est un moment de fête, qui est un moment de dynamisme pour l'ensemble de la société française, il faut l'espérer, ou en tout cas pour le plus grand nombre, peut être géré autrement que d'autres types d'événements sportifs internationaux. Voilà. Double enjeu, un vraiment historique pour l'ESS, c'est sûr, un autre pour le sport, et je pense que de ce point de vue-là, il y a de quoi faire. J'espère que ça motive suffisamment les équipes, en tout cas, moi je suis ravi d'être à vos côtés, à ma modeste place, pour faire en sorte que vous avez entrepris avec le comité d'organisation soit au rendez-vous de ces enjeux. Merci à tous. Merci Jérôme. Alors pour conclure ce tour de table des membres, je donne la parole à Clara Michelini, qui est la conseillère d'Olivia Grégoire, donc la secrétaire d'État chargée d'économie sociale, solidaire et responsable, qui s'occupe de manière très responsable d'un bébé qui vient de naître. Et donc Clara va prendre la parole au nom d'Olivia Grégoire.
Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous et donc je réitère les excuses pour l'absence de la ministre qui vous salue et donc je m'exprimerai en son nom. C'est effectivement très encourageant les chiffres qui sont présentés aujourd'hui, on sent qu'une dynamique a été créée. Je rejoins les alertes sur la distinction à bien faire entre les promesses qui ont été faites et les contrats effectivement signés, donc il faudra qu'on soit collectivement attentif à ce que les engagements des différents acheteurs publics se réalisent bien dans les faits. Et donc, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour avoir cette attention-là. Évidemment, un grand merci à toute l'équipe ESS 2024 et l'équipe des canaux pour le travail réalisé et le fait qu'on puisse se retrouver à la fois État, collectivité, institutions publiques, structures de l'économie sociale et solidaire et structures qui représentent l'économie sociale et solidaire telles que ESS France. Et assez encourageant, c'est assez rare sur d'autres secteurs d'activité. Et je pense que les JO sont ça une opportunité magnifique de pouvoir tous se mettre autour de la table et de créer quelque chose qui fera date. Je pense que le modèle d'organisation qui a été mis en place via ces comités de pilotage, mais pas que, et tout ce qu'il y a autour et toute l'énergie qui est créée doit nous inspirer collectivement pour qu'on puisse le réitérer pour d'autres événements, mais aussi plus globalement pour des gestions à l'échelle de territoire de la politique d'achat et de commande publique. On est très investi sur ces sujets pour que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui sont au-delà des valeurs qu'elles portent et au-delà de l'impact qu'elles ont sur l'emploi, on a beaucoup parlé d'insertion, mais sont des vrais acteurs de terrain. Et sont des bonnes opportunités pour créer de l'activité. Je rejoins les propos qui ont été tenus notamment par Florentin Letissier sur la pertinence de créer des alliances locales. Je pense qu'on a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, on en rencontre beaucoup ici au ministère de l'économie, qui sont souvent de petite taille et qui pensent ne pas avoir les épaules pour répondre à des projets comme Paris 2024, qui sont des projets qui leur paraissent si grands, si loin, alors que pourtant ça va se faire à côté de chez eux, et qui sont plusieurs sur un même territoire à avoir des compétences qui pourraient mutualiser. Donc ça, on l'encourage, on a relancé des dynamiques comme les pôles territoriaux de coopération économique, mais je pense que c'est totalement dans cette voie-là et les JO pourraient être une bonne porte d'entrée d'ailleurs pour relancer des pôles territoriaux de coopération économique. Je sais qu'il y en a notamment à Stains et je salue son maire, j'ai eu l'occasion d'en visiter un qui est exemplaire, mais voilà, on a beaucoup d'activités qui se créent autour de ces JO. Vous l'avez dit en début de présentation, 50% des marchés sont déjà finis, ça veut dire qu'on est à la moitié du chemin et que on peut espérer que sur les 50% autres, on arrive à avoir encore plus de boîtes de l'économie sociale et solidaire. Je propose en tout cas les services du secrétariat d'État et du ministère de l'économie plus largement pour que la plateforme soit mieux connue des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui puissent venir s'y référencer et qu'elle soit aussi peut-être mieux connue des entreprises qui vont venir sur les JO, pour qu'elles puissent faire une partie de leur sous-traitance ou de leurs activités. Vous citiez tout à l'heure Label Gamelle, j'ai eu l'occasion de les rencontrer cette semaine, ils ont des nouveaux projets qui arrivent, et donc voilà, ça pourrait typiquement être des acteurs qui profitent encore plus de ces JO, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, complètement à disposition en termes de puissance de communication, que ça soit en off ou en on, sur les réseaux sociaux de la ministre, par exemple, pour qu'on puisse se faire le relais de tout ce qui a été dit là. Je ne serai pas plus longue. Merci à tous. Merci. Et on saisit toutes les mains tendues. C'est ça, notre énergie. Donc, celle-là aussi, on la saisit. Pour conclure ce comité qui est à sa fin, on va donner la parole à Riyad Salem, qui est le parrain de ESS 2024, qui nous représente et qui, à qui on laisse la parole justement pour conclure cette réunion et nous donner pour 2022 voilà, l'énergie encore de continuer et qu'on a, on l'a totalement. Riyad, tu es là ? Merci. Oui, merci Elisa. Ouais, je suis là, j'ai entendu, c'était passionnant. Ça m'a vraiment inspiré et de me dire qu'avec tout le travail que fait ESS 2024, on est en train de créer une nouvelle culture du monde économique
Parce que jusqu'à maintenant, dans le monde économique, on était dans une espèce de compétition acharnée. Et là, quand je vois tous ces regroupements, ça fait on n'est plus dans la compétition, mais on est dans la coopération pour essayer de mener à bien des missions de grande envergure. Et je trouve ça génial d'apporter cette nouvelle culture parce que on le voit, ça permet d'avoir le respect de l'environnement, d'aller chercher des publics qui sont souvent éloignés du monde du travail ou d'apporter une nouvelle image du monde économique. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et je trouve ça génial de pouvoir utiliser ces jeux pour être ce nouveau tremplin. Je dis souvent que c'est l'économie du troisième millénaire qu'on est en train de mettre en place. Et c'est vrai que le fait qu'il y a un tel enthousiasme sur le terrain et que cet enthousiasme, souvent, il n'est pas forcément orienté, on ne sait pas quoi faire. Et là, ESS 2024 est une solution, et une vraie solution pour les acteurs de l'économie. Et ça va aussi leur apporter une nouvelle expérience qui est que bah, c'est possible. Souvent, j'ai entendu tout à l'heure, les gens pensent que bah, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas à leur niveau. Mais au fait, au final, quand on ose, personne n'est à l'abri de réussir. Et c'est ce qu'on a envie, c'est que ces jeux soient une vraie réussite à tous les niveaux, que ce soit pour le pays, mais pas que, pour le monde. Parce que cette originalité de ce que propose Paris 2024 aujourd'hui, avec cette mixité, cette identité commune avec le Paralympique, c'est une première. On n'a jamais vu ça auparavant. Et j'adore cette culture de l'innovation que l'on peut qu'on apporte. Et donc voilà, un grand bravo, bravo. Et je suis très fier d'être parrain de ESS 2024 et de continuer à inspirer, à donner cette dynamique et de dire que c'est possible. Merci beaucoup, Riyad. Merci à tous. Merci de cette coopération que nous avons inventée tous ensemble et qui montre justement la force de ce dispositif. Pour info, le nouveau cahier d'impact, donc le 10e sur l'économie circulaire dans le mobilier dont nous a parlé Georgina, est en ligne sur le site internet des canaux, enfin de ESS 2024, pardon, dès cet après-midi. On vous l'envoie également par mail. Et donc, je vous dis bonne journée à tous. Merci encore pour le travail effectué avec les équipes parce que franchement, le travail qui est effectué avec les équipes de Paris 2024, de la Solidéo et de vous, toutes les collectivités, mais également de tous les réseaux de l'ESS est formidable. Et c'est ce qui nous remplit d'énergie au quotidien et qui nous permet d'avancer sur ce projet emblématique. À très vite à chacun. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et bonne année à tous. Merci, au revoir.